Eh bien, salut tout le monde, c'est Zonix. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur GTA V, comme d'habitude. Donc, aujourd'hui, je vais vous faire montrer le glitch le plus what the fuck de GTA V en 1.35. Donc, pour la première étape de ce glitch, il faut un Carine Rebelle. Donc, le Carine Rebelle coûte vraiment pas cher. Donc, il coûte vraiment 3000 euros. Donc, c'est vraiment pas cher. Donc, je vais vous faire montrer. Vous allez dans Voyage et Transport, tout en bas dans Southern San Andreas, super, je sais pas quoi. Après le Carine Rebelle, vous allez descendre. Jusqu'à temps que vous verrez un Carine Rebelle. Donc attendez. Je crois qu'il est tout en bas à peu près. Donc voilà, c'est le Carine. C'est pas celui. C'est pas. En fait, il y a deux Carine Rebelles. Il y a celui-là qui coûte 22 000. Et celui-là qui coûte. Ça marche avec les deux, mais moi, pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, moi je vous conseille le Carine Rebelle qui coûte 3000 euros. Donc le Carine Rebelle rouillé. Il n'y a pas écrit rouillé, mais quand je le commande, il est écrit rouillé. Donc voilà. Et le Carine Rebelle propre. Donc moi je vous conseille le Carine Rebelle rouillé. Donc voilà. Après, la deuxième étape de ce glitch, c'est qu'il faut vous rendre ici sur la carte. Donc à côté de la station de lavage. Donc où je suis. Une fois que vous êtes ici, vous allez pousser la poubelle. Ah, une fois que vous avez poussé la poubelle, vous allez vous coller contre le mur, pardon. Vous n'allez pas vous coller au comptoir électrique là, mais vous allez reculer juste un petit peu. Donc là, je vais me coller au truc, voilà. Vous reculez un peu, bah vous mettez comme moi à peu près dans la vidéo. Après, vous allez prendre une voiture de PNJ et vous éloigner. Donc je vais prendre cette voiture-là par exemple. Ah putain, je le savais en plus. Bon, allez, celui-là. Une fois que vous avez pris une voiture de PNJ, vous éloignez un petit peu pour qu'une fois la poubelle est dans votre voiture. Donc vous allez voir, c'est vraiment what the fuck. Je vais enlever la musique. Vous éloignez un petit peu et vous revenez pour qu'une fois la poubelle, comme je vous ai dit, sera dans votre remorque, si on peut appeler ça une remorque. Voilà, donc vous voyez que elle traverse la voiture. Je sais pas s'il a bien fonctionné, mais à mon avis, ouais. Ouais, c'est bon. Donc vous pouvez voir que c'est vraiment un glitch fun à réaliser entre potes. Donc vous pouvez voir que c'est vraiment what the fuck, la poubelle bug, elle bouge pas du. Donc voilà, vous pouvez voir que je peux même cabrer. Donc c'est vraiment what the fuck. Je vais faire une petite ligne droite avec ça. Moi je vous dis, faites-le pas trop longtemps parce qu'après. Voilà, en fait ça a bugué. Donc la partie a bugué, du coup la poubelle aussi a bugué. Mais sinon, vous pouvez rester plus longtemps avec la poubelle dans votre remorque. Jusqu'à temps que votre voiture elle explose parce qu'à un moment elle va vraiment bugger et exploser. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu ou à vous abonner, ça m'aiderait beaucoup. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. C'était Zonix. Ciao.